بسم الله الرحمن الرحيم. قبل مشاهدة الفيديو أرجو منكم تسجيل في قناتي، مشاركة الفيديو والضغط على رمز الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أحييكم تحت الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. alors comme c'était prévu aujourd'hui inshallah, je vais commencer à diviser des vidéos pour faire apprendre à nos élèves des leçons et pour faire en sorte que la matière de la langue française soit plus facile. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire une vidéo pour les élèves de 4e année. C'est une vidéo qui ça va rendre la tâche facile pour les parents pour faire apprendre à leurs enfants qu'est-ce que ça veut dire les déterminants possessifs. Alors, c'est une leçon de grammaire. Alors, nous avons un exemple à travers lequel on va essayer de comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Mon ami habite en face de la mosquée. Mon ami habite en face de la mosquée. Alors regardez bien, nous avons une simple phrase dans laquelle nous avons un groupe nominal sujet, hein, mon ami, et nous avons un groupe verbal, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le déterminant possessif. Alors, regardez dans le groupe nominal sujet, nous avons hein, mon ami. Alors, regardez mon ami, c'est-à-dire mon ami. Alors, c'est un déterminant possessif. C'est un déterminant possessif. Qu'est-ce que ça veut dire un déterminant possessif? C'est un moyen, c'est un mot à travers lequel on pourrait exprimer la position de quelque chose, d'accord? Ou bien de quelqu'un, comme c'est le cas dans notre exemple là. Alors, nous avons le masculin, nous avons le féminin et nous avons le pluriel, hein? Voilà. Alors, pour exprimer quelque chose de masculin, alors on utilise mon. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est mon marqueur, d'accord, hein? Si je vais m'adresser à toi, alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ton marqueur, c'est ton marqueur, hein? Et si je vais dire que ce marqueur appartient à quelqu'un qui n'est pas ici, ce n'est pas comme moi et toi, il est absent. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, c'est son marqueur. C'est son marqueur, d'accord? Alors, ça, en ce qui concerne le masculin. Voilà, en ce qui concerne féminin, alors je vais, par exemple, parler de la brosse. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, c'est ma brosse. Ça, c'est la brosse, c'est un nom féminin. Alors, je dis, c'est la brosse, alors je vais exprimer la position en disant, hein, c'est ma brosse à moi. Ou bien, c'est ta brosse, hein, ce n'est pas Gis, mais c'est pour vous donner, pardon, c'est pour vous donner un exemple, alors je vais vous dire, c'est ta brosse. Ici, nous avons quelqu'un, mais il est absent. Pour exprimer la position, alors qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire c'est sa brosse. Regardez, c'est sa brosse. Alors, ma, ta, sa. Maintenant, pour exprimer la position de pluriel, alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, par exemple, hein, ce sont mes affaires. Ce sont mes affaires à moi. Ce sont mes affaires. Hein? Alors, ce sont des affaires à toi, hein? Alors qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire, ce sont tes affaires, hein? Tes affaires. Le marqueur et la brosse,
un pluriel, alors ce sont tes affaires. Alors, pour exprimer la position, mais pour un groupe de personnes qui sont absents, pardon, alors qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire si, hein, si, ses affaires. Ses affaires. A-S-E-S. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez arrivé à piger quelque chose. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.